Yo ce cacax et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur du craft d'items. Je me suis dit qu'on allait faire ça de manière assez originale. Aujourd'hui on craft des items que je n'ai jamais crafté avec vous. Même, enfin ça se trouve, alors je vous préviens, je vous montre des items aujourd'hui, mais ça se trouve, il n'y en a aucun qui va être rentable. Mais je vais vous expliquer pourquoi je les craft et pourquoi je pense qu'ils vont être rentables. Donc voilà, c'est parti. D'ailleurs, petite nouveauté, je pense que ça se voit assez vite. La cam, vous avez vu? Ça y est. Il n'y a plus de raies bizarres et tout. Donc voilà, j'ai changé de cam, j'espère que ça vous plaît. Je la trouve vraiment cool. Si jamais sur la cam, parce que je suis un peu nul en paramètres, j'ai un paramétré quelques trucs, mais si jamais vous trouvez que c'est trop saturé ou c'est trop quelque chose, n'hésitez pas à me dire. Voilà, je m'y connais très peu en paramétrage de cam. Mais voilà, j'ai fait un petit truc, j'espère que ça vous va. On part donc sur ce premier item, la torque de ravageur. Pourquoi cet item? Alors c'est un item ultra cher, j'ai mis 120 millions de kama là. Pourquoi cet item? Eh bien tout simplement parce que c'est un item R d'Oppo, un des meilleurs. Et comme vous savez, il y a une mise à jour qui arrive sur Dofus, qui up bien les hélios R d'Oppo. Et donc, pourquoi pas, des gens ont peut-être ce stuff, tout simplement. Et donc c'est pour ça que je m'intéresse à ce genre d'équipement, parce que je me dis que ça peut partir assez vite en ce moment, vu la mage qui arrive. Comment je fais pour connaître les stuffs? Écoutez, je vais vous montrer quelque chose de super original. J'ai pris le stuff, le site de Uz, voilà, et en fait je suis allé dans Forge Lance parce que je sais qu'il y a des stuffs R d'Oppo qui existent pour Forge Lance. Et en fait là, quand vous regardez le stuff Forge Lance R d'Oppo low cost, medium cost et premium, et ben vous vous rendez compte que l'amulette ressort dans les trois stuffs. Donc voilà, je suis plutôt serein sur cette amulette. Enfin, je me dis que, voilà, même sans trop regarder les autres, je me dis que ça doit être quand même une bonne amulette d'Oppo. Uz, normalement, s'y connaît un petit peu. Donc voilà, je lui pique ses stuffs. Mais voilà, quand on connaît pas bien le PVP, il n'y a pas de honte à servir des autres. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on part sur cette amulette. Donc j'achète tout, je commence à FM et tout, et on se retrouve après pour voir un peu combien on investit. Et vous verrez que le prix de vente est sympathique. Alors, je tiens à préciser que le prix. L'investissement va être assez énorme par rapport au bénéfice, mais que le bénéfice va quand même être énorme. Mais enfin, le bénéfice sera pas sur du x2 en fait. En x quelque chose, il sera assez bas. Le pourcentage de bénéfice sera assez bas, mais les kamas finaux qu'on gagnera sont assez élevés quand même. Heureux, bon, j'ai fait une dinguerie. Voici le G. Insultez-moi. ouais. Alors en gros, je vous explique. Parce que là, vous allez dire, mais qu'est-ce que t'as foutu? C'est un item d'Oppo et t'as 28 d'Oppo sur 30. En gros, j'étais à 28 d'Oppo sur 30. Le PO tombe. Je me dis, bon bah ça pue la merde. Le PO tombe, je le repasse direct vu que je suis à 28 d'Oppo. Ça sert à rien que je monte à. Enfin, je pourrais jamais monter à 30. Donc je le repasse direct le PO. Que se passe-t-il? Le PO crit. Je me dis, bon, j'ai du puits, super, on va s'amuser. Et voilà. Over 100 de vita. Donc, je sais pas quoi penser de cet item, parce que si tu l'achètes pour faire du dopu, bah, il en manque deux. Après, il y a 100 d'Over Vita. Donc voilà le prix que je propose, mais sans déconner, je sais pas, je sais pas. Donc ça, c'est les premiers jets, je vous les montre tous. Donc ça, c'est une catastrophe, ça aussi. Ça, c'est moche. Ouais, c'est bien bien moche. Ça va. Ça, c'est peut-être mieux que moi, en fait. Mais voilà, après il y a ça, 29 d'Oppo, et ensuite il y a le mien, 28 d'Oppo, mais sans Over Vita. Par contre, voilà, moi il n'y a pas la chance, parce que moi je voulais faire un item R d'Oppo. Il y a toute la fuite, il y a tous les crits, il y a un peu de ça. Et ensuite à 8M, on a un G-perf, quasi, il manque juste une passa. Donc voilà, je ne sais pas quoi en penser, j'ai mis à 7M3 pour l'investissement. J'avais 120 millions, donc là le calcul est facile à faire. On a investi 6M 119 000. Donc en gros, si on vend là, on se fait 1 million 150 000 de bénéfices. Donc ce qui est énorme hein, en un seul item, c'est vraiment beaucoup. Mais le truc, c'est est-ce que ça se vend? C'est ça la grande question. Donc sachez que là, pour le prix, ce qui est compté dedans, c'est la taxe de mise en vente qui est quand même de 150 000 kama. Et les runes, en plus, j'ai acheté des runes. Donc voilà, j'ai pas payé 6M 150 000 de ressources, j'ai vraiment payé 6M 150 000 en tout, en comptant la forge magie, la taxe de mise en vente et le craft. Voilà. Donc ça me fait vraiment 1,1 million si ça part. Mais est-ce que ça partira? C'est la question que tout le monde se pose. En autre item, ce qu'on peut checker, donc là vous voyez dans les stuff que.
Uz nous propose. Il y a ce CAC que je ne connais pas du tout. Enfin, en fait, je connais assez peu d'items. Écoutez, je vais checker un peu de mon côté, mais je vais un peu tout checker, mais je pense que voilà, il y a des trucs sympas à trouver. Alors, pour le hachoir des ravageurs, donc c'est un CAC assez intéressant. Alors, à craft, il va me coûter au moins 6M3, donc je pense que je vais l'acheter. Il y en a un 6M5, c'est pas si cher que ça. Donc, on va l'acheter 6M5, et du coup, maintenant on va l'FM, et vous allez voir que, en fait, vu les jets qu'il y a, je pense qu'on peut obtenir un truc sympathique qui pourrait intéresser des gens, et quelque chose d'assez original qui n'est pas du tout en HDV. Moi, je vais plutôt banaliser les lignes de chance, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de jets où les gens gardent un petit peu les deux lignes. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un jet donc, où il n'y a que l'agilité. Et mettre l'arme de chasse, enfin le mettre arme de chasse en plus si j'y arrive. Donc voilà, je pense que ça peut être sympa avec le puits dommage haut et le puits chance. Peut-être qu'on peut arriver à se faire un truc sympa. Je vous retrouve quand j'ai un truc potable ou une dinguerie comme tout à l'heure, mais j'espère que ce sera un truc potable plutôt parce que dinguerie c'est un peu chiant à vendre. Ok, on a un jet qui m'intéresse. Je vais vous montrer donc. Voilà ce que je vise, hein, 70 d'agi, 346 vita, 4% crit, un peu de ça, mais bon, pas énorme. 10 dommages R, l'hérésie, la fuite et esquive PM à peu près, les 25 dopu, très important, et la arme de chasse. Ok, moi, reliquat. Échec. C'est passé, mais c'est une catastrophe. Enfin, c'est une catastrophe. En fait, là, il faudrait que ça crit. Voilà. Attendez, quoique, là peut-être je peux m'en sortir. Je fais ça, ok. Et là, arme de chasse. Bon, il manquera un d'agi, mais. Ouais. On va voir. Écoutez, on essaye de vendre ça. De toute façon, moi, vous savez, enfin, ouais. Je suis pas un. Je suis pas un mec qui fait des jets de fou. Moi, je fais des jets pour que ça me rapporte des kamas. Et je fais des jets où j'investis pas 100 millions dedans. Donc voilà, là, j'ai pas investi beaucoup. Le jet me convient à peu près. Je pense qu'on peut trouver un acheteur. Je l'ai acheté 6M5. Si vous voulez savoir combien j'ai investi de runes, j'avais 13 millions. Et quelques. Donc là, j'ai. Ouais, voilà, j'ai même pas investi 100 000 kamas de runes. Donc si ça se revend bien, bah enfin plus, ça peut être intéressant. Donc là on va être à 6M6 d'investi, plus la taxe de mise en vente, donc 6M7. Donc voilà, le prix le plus bas déjà il est assez élevé. Nous on a quand même les 25 dopu. Et on a arme de chasse. Arme de chasse, ça peut en convaincre. Hein. Faut voir un petit peu les premières armes de chasse où elles sont. En vrai, je pense que notre G est vendable. Hein. Je sais pas à quel prix. Oh, ce G est pas mal. Après, ouais. Moi, il y a arme de chasse, quoi. Moi, il y a arme de chasse. Bon, c'est un GR, hein, mais. En vrai, honnêtement, pour quelqu'un de pas trop trop riche, mais quand même un peu, je pense que mon G, il peut partir. J'aimerais bien juste voir le premier prix d'une arme de chasse, mais personne. Personne n'a fait cette idée à la con. Ah, si, ça y est. 8M5 le taré. Et mon G est mieux. Ouais, mais nous on va pas le vendre à ce prix-là. Hein. Nous on va le vendre à déjà 6M, 7M 480, 7M 599 000. J'aime bien cette idée. Vous en pensez quoi? Là, ça ferait 1 million pile de bénéfices, sauf qu'il y a les 152 000 de taxes et les 100 000 de runes. Donc j'aurais payé 6M750 000. Donc on se ferait 850 000 kamas, c'est beaucoup en vrai. Hein. Sachant que j'ai rien payé, j'ai juste acheté un item, je l'ai FM et je le revends. Et je ne l'ai pas FM longtemps pour le coup. Si ça part à ce prix-là, c'est pas mal. Hein. En vrai, de vrai. Et je pense que là, honnêtement, j'ai plus d'espoir que sur l'amulette. Parce que là, celle-là, même s'il manque un d'agi, en fait, les autres jets sont tellement nuls. Les autres jets, les jets des gens. Après, voilà, moi, il n'y a pas les dommages R. O, quoi. Mais quelqu'un qui rechercherait cette arme pour faire R de pou, je pense qu'il achète direct la mienne. Ok, item suivant. Bon, ça part en vrille. Je vais vous faire un petit truc. Je vais faire un petit truc, on va voir. On va voir ce que ça donne. Peut-être vous allez m'insulter. Mais bon, on la tente.
Regardez, Manclature, donc cet anneau agit Dopu, très très fort. Enfin, que des stats incroyables. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lignes du coup qui sont pas intéressantes. Voilà, qui est sur tous les stuffs. Enfin, je pense qu'il est sur beaucoup de. Ah non, les stuffs air basique, c'est pas trop ça, mais. Voilà, c'est des trucs qui sont quand même ultra joués. Ah oui, le problème, c'est que ça s'exo PA et PM, mais bon. Sur le stuff de Uzz, là, il faut un exo. Ouais, c'est ça. Écoutez. À nos nomenclatures. La dinguerie que je voulais faire, peut-être que vous allez m'insulter, c'est je voulais acheter les 4 là. Parce qu'en fait, le prix de craft, je vous le montre. Donc c'est 275 000, 675 000. Donc on va dire 700 000, 1 million 3, 1 million 3, 2 millions 5, 2 millions 6, 2 millions 7, presque 2 millions 8 de craft. Et là, on est à 2 millions, même pas 2 de vente. Donc c'est pas cher du tout. Du coup, je pense que je vais acheter les 4. Et après, bonne chance. Alors, je sais pas si on va les exo PA ou PM. Je m'étais un peu juré de plus en refaire, à part pour moi. Mais voilà quoi. La réalité, c'est que c'est que ces anneaux-là, bah voilà, on va voir. Écoutez, je vais essayer de les FM, genre un FM 1 ou 2 qu'on va essayer de revendre, et le reste, peut-être que ça partira en exo PAPM, je sais pas. Peut-être une connerie là, peut-être un gouffre, mais bon, on va plonger dans le gouffre. Allez, je vous retrouve après. Bon, alors, effectivement, ces anneaux sont horribles à FM, on va pas se mentir. J'ai quand même sorti un G vendable, je pense. C'est ce G-là, je l'ai eu assez rapidement. J'ai un peu chaté, j'ai crit plusieurs fois d'affilée. Et je pense que c'est un G qui se vend. Parce que même s'il manque 3 crits et 3% Resi R, honnêtement, pour du PVM, il n'y a pas mieux. Genre 299 vitas, 70 d'agi, 25 d'opu, 10 dommages R, 7% Resi Terre quand même, et quand même 4% R. Je pense que c'est un G vendable, donc je vais essayer de le vendre. On verra ce que ça donne. Pour vous faire quand même plaisir, même me faire plaisir aussi. J'en ai 4, je suis obligé d'en briser une. On va s'en briser une. On n'a pas le choix. On va essayer de voir ce que ça peut rapporter. Même si les anneaux, par expérience, je peux vous dire que les anneaux, c'est la pire idée à briser. Parce que, bah, vous voyez, il n'y a aucune ligne de G dessus. Mais le truc, c'est que voilà, s'il y a 4 000%, je me dis que peut-être c'est rentable. Donc je rappelle, 2 180 000 d'investis. Allez. Oh, 3 500 000. Oh putain, le coef qui s'est explosé la gueule. Ah merde, parce que j'aurais peut-être dû l'FM un petit peu aussi. Ok. Bon, c'est pas grave. Parce que là, on fait 3 500 000 plus 1 700 000. Ça fait 5 M2. Et on a payé. On s'est quand même fait 1 million de bénéf. On s'est quand même fait 1 million de bénéf. Ah oui, le coef descend très vite. Mais ok, pas mal. Pas mal, pas mal. J'aime bien ce qui s'est passé là. En plus, ça m'évitera d'exopérer et tout. Ah ouais, ça fait plaise. 3 500 000 plus AM7. Ouais, c'est à 5M2. Hein. 5M2 pour 4M4 d'investi. Donc voilà, ça fait 800 000. C'est pas énorme, 800 000 de bénéf, mais franchement. Le plaisir que ça procure de briser, voilà, ça vaut le coup. Donc quand même 800 000 de bénéfices pour, en plus pour 4M4 d'investi. Si on compare à mes investissements de tout à l'heure, bah c'est super intéressant, hein, 800 000 kama gratos comme ça fait giga plaise. Alors on va essayer de vendre ce petit anneau, voir un peu ce que ça vaut. Heureux. Alors vendre cet item c'est très compliqué, je vais pas vous mentir, parce que les G ne ressemblent pas du tout au mien. Donc on a ce G là par exemple qui ressemble un tout petit peu au mien, même si elle est résiliée, elle est crit par rapport à moi. Le truc c'est que cet item a été trans et qu'il manque 5 d'agi quand même. Si on regarde, vous voyez cet item là est très beau, mais il manque 19 d'opu. En fait personne s'est fait chier à faire les 25 d'opu, on va pas se mentir. Et là, les prix commencent à monter très très haut, très très vite. Ouais, voilà. Cet item-là est vraiment bien.
Même s'il manque un dopu et trop d'agi par rapport à moi, il est vraiment bien. Moi, je pense qu'on va le vendre 3M499 999. Ça me paraît, si ça part à ce prix-là, je suis très très content, je pense. Parce que le jeu était pas. Enfin, je l'ai fait vite, mais je pense que j'ai un peu chaté, honnêtement. Donc, on va le vendre à ce prix-là, je pense. 3M599 999, je pense pas que ça. Enfin, dites-moi, mais honnêtement, moi je suis PVM, ce jeu-là m'intéresse de. Enfin, sur mon Helio R par exemple. C'est très intéressant. Après voilà, il n'y a pas d'exo dessus, mais bon, c'est un autre délire les exos. Allez, je l'attends à ce prix-là. C'est assez énorme comme prix. Si ça part, c'est n'importe quoi. Hein, parce que là, je rappelle, on a payé 2 millions, même pas 200 000 chaque anneau. Là, ça fait 1,3 million de bénéf. Les runes. Bon, là, on peut plus comparer combien j'ai payé de runes parce que bah, vous savez, j'ai brisé et tout. Mais honnêtement, on est bien si ça part à ce prix-là. C'est vrai que je mets des prix peut-être un peu élevés là, enfin, sur cette vidéo, mais. Écoutez, je suis confiant. Je suis confiant. On va voir un autre item. Et je suis parti sur un nouvel item, le masque du chaos. Donc c'est le truc que aussi Uz proposait dans ses stuff Dopu R. Et du coup, je l'ai fait, mais il y a un PM dessus, pardon. Et du coup, j'ai un peu de puits là. Et je me suis dit, alors, on pourrait faire un beau jet avec Doho et Chance, mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est un beau jet avec un gros Overvita. Donc là, j'ai 5 tentas ravis. On va se les tenter. Donc déjà, une qui passe, ça fait plaisir. J'en voudrais au moins une autre, parce que s'il y en a 404, ça fait un peu. Voilà, bah ça fait chier. Je pense qu'on va même niquer la vie et en tant que le PM. Ah. Ok, super. Ok, enfin en vrai c'est grave cool. C'est juste que c'est dommage qu'il crit sur un G pas foufou, mais bon. On a gaspillé 50 de puits. Enfin 40. On a gaspillé 40 de puits, mais bon. Fallait le tenter. Si on avait un over 500 de vita, enfin pas 500. 500. Si on montait à 504, c'était une dinguerie, donc voilà, fallait tenter. Pas de regret, on va du coup le vendre. Donc voilà, 3M 500 000, pardon, et un investissement au niveau des runes très très faible. Donc voilà, pour le G, c'est un GR. De toute façon, tous mes G, hein, vous commencez à avoir l'habitude. Tous mes G sont R, Dopu. Donc voilà, il y a tous les Dopu, il y a tout R, ça va, il y a un peu de ça, toutes les résis. Le PM, pas mal d'initiatives. Là, j'ai gardé 300 d'initiatives, c'est pas mal, 399 Vita. Et donc voilà, si on check sur les G des gens, eh bien personne ne fait ça. Alors est-ce que. Enfin, celui-là a 30 dopu, mais il manque un doer et il manque 2 d'agi. Voilà, donc c'est pas fou. Le mien est mieux. Et celui-là. Non, celui-là est nul aussi, hein. Le mien est vraiment pas mal là. Après, voilà, moi c'est toujours mono-élément, ça. Toujours pareil. Mais je pense qu'on va le mettre à 4M. 4M 799 000, je pense. J'aime bien l'idée. Voilà. Pour 3M5 d'investissement, ça nous fait un petit million de bénéf. Ça fait super plaisir. Je sais pas si ça partira, mais franchement, c'est un très très beau jet. Je pense que c'est même pas très cher, honnêtement. C'est là le prix qu'on met. Ouais, je vais mettre à. Ouais, je vais mettre à 4M 9999. Honnêtement, mon jet est quand même pas mal, je pense. En PVM, en R, il n'y a pas mieux à ce prix-là, je pense. Bah, il y a celui-là, mais du coup, celui-là, voilà, il manque des trucs et c'est 500 000 de moins. Ouais. Allez, on le tente à ce prix-là. C'est pas mal du tout.